Salut, c'est Cascol, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox. Aujourd'hui on est sur Ultimate Mortal Kombat 3, sur MAME, parce que je sais pas pourquoi, chez moi, sur FBA il ne fonctionne pas. Si chez toi il fonctionne sur FBA, ça m'intéresse. Alors je sais pas si t'as déjà remarqué, mais dans Mortal Kombat on a parfois un problème de son, le volume est très faible. Et t'as beau aller voir dans le menu de RetroArch, par exemple dans les options, quelque part, je sais qu'il y a des options audio, je sais plus où elles sont exactement. On va aller voir peut-être dans Setting Audio. Tu peux monter ici un petit peu le volume, mais ça va pas vraiment régler ton problème. En réalité, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu branches un clavier en USB, enfin un clavier sur ta Recalbox, et que tu appuies sur la touche F2. Voilà, là je viens d'appuyer sur F2. Et donc, si tu cherches un petit peu, bon, déjà tu pourras mettre le jeu en free-to-play, hein, ce qui peut être pas mal, hein, ça t'évite de rajouter des crédits. Mais si tu regardes bien, tu as aussi l'option volume ajuste, et là, tu vas pouvoir régler ton volume. Alors, c'est valable pour Mortal Kombat et d'autres jeux de chez Midway. Voilà, il est pas tout seul. Hein. Alors, le son est peut-être pas exceptionnel, mais c'est quand même mieux. Voilà. On va se faire quand même un petit combat. Sinon, ça fait vraiment une très petite vidéo. Hein. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué à Mortal Kombat, mais ça devrait aller. Y a des combat codes hein, pour débloquer ces personnages-là. C'est des codes qu'on met non pas avant le combat, si je me rappelle bien, mais après. Une fois qu'on a perdu, imaginons que là je fasse un game over, ce qui risque d'arriver. On verra qu'on a la possibilité de faire 3 combat codes. Des combats codes un peu plus longs. Je crois qu'il faut l'aide d'un ami d'ailleurs pour réussir à remplir ce code là, parce qu'il faut les deux manettes. Ça va aller, ça va aller, ça va me revenir. Ah, c'est déjà mieux. Hein. Bon, c'est pas encore gagné. Hein. C'est pas si mal que ça. Moi, je trouve que je m'en sors pas si mal. Mortal Kombat, c'est un jeu que j'aimais bien quand même. En plus, il a pas si mal vieilli que ça, je trouve qu'il reste correct. On va l'envoyer. Ah merde. On va l'envoyer à l'étage du dessus. Tiens, c'est bon. J'aime beaucoup l'intelligence artificielle. Ah. Ah ben ouais, Block Run, c'est là je m'en rappelle. Je sais pas si à mon avis c'est une fatalité que j'oublierai jamais. Je crois que c'est la seule que j'ai retenue de toutes les... Sans déconner. Ouais. Je m'en sors pas si mal que ça. Par contre, à mon avis, j'irai pas très très loin quand même, parce que la difficulté de Mortal Kombat est quand même assez progressive. Ça monte très vite. Ah, non. Bon, bah attends. On va essayer un autre enchaînement, du coup. Oups. Bah, vu que je connais celle-là, du coup, bah, je fais que celle-là. Hein, c'est un peu... C'est normal. Hein. Kino. Ouais. Je sens que déjà, ça risque de se compliquer. Allez, viens. Allez. J'arrive plus à faire ma glace maintenant. Non. Ça fait combien? 23%. On remarque que si on rajoute des coups... Ah, j'ai pas su le finir. Ah, j'ai quand même fait un 20, 27. Je crois qu'il y avait moins de coups. Parfois, c'est bizarre. Hop, c'est moi. J'ai lâché la manette. J'ai pas fini mon combo. Là on voit c'est un 7-8 et on est quand même... Ouais c'est 33, c'est quand même pas ça. Bah du coup... Oui j'ai pas envie d'aller voir dans une soluce ou quoi pour voir les autres fatalités. Il doit avoir un truc... Le problème c'est que je confonds avec Mortal Kombat 2 aussi.
sais plus. Je pense que là, ça risque d'être plus compliqué. Je m'en doutais un petit peu. Oui, il risque de nous défoncer. Ouais. Mais ben non. Bon, j'aurais essayé. Est-ce qu'il va nous faire une... Non, il nous a pas fatalisé. Enfin, voilà. Du coup, on a vu comment augmenter le volume. Je sais que c'est bête, hein, mais moi, j'ai dû chercher pour trouver comment on faisait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !